Et bien voilà, à suite de la visite, une magnifique ceinturie. Chevrolet Bel Air. Et là, une très rare Lamborghini 400. Le capot est ouvert, on va y aller d'ailleurs. Magnifique. Ben, il est à tout bout. Mais je t'ai mis, moi je suis arrivé. T'as rouge, blanc. Ah, je t'avais envoyé un message. Non, je suis arrivé. Non, alors. Deux magnifiques SM. Vous avez le choix, bleu, doré. C'est reparti chez les Corvettes. C'est ce qu'il y a toujours de plus comme voiture. Quelle est cette voiture, Jean-Pierre ? Une voiture anglaise. Ça. Une voiture anglaise, il est très fort. On va observer ça d'un peu plus près. Austin, tu dis ? Eh bien, on va le voir. Eh bien non, on voit rien. Du tout. Mais regardez, ce look est magnifique. Une peinture assez particulière. On retourne là. Quoi ? Oui. Une belle Jaguar. De toute beauté. Ah ouais, c'est ça qui est bien, tu mets 3h30. Une splendeur. Ah non, moi j'ai pas ça. Jean-Pierre, c'est quoi celle-là là ? Ça, c'est une Type C, c'est une Jaguar Type C, mais qui a été revisité. Une Sunbeam Alpine. Une rigolote 4 chevaux cabriolet, rare. On va aller voir ça de plus près. Une 850 aussi, qu'on ne voit pas souvent. Porsche, Triumph, Renault 4, BM, Sunbeam, Lotus. Une 4 chevaux découvrables. Qui est de quelle année ça d'après toi, Jean-Pierre ? C'est 3 bars, c'est après 54. Oh, elle était découpée. Oh, le chien derrière, elle a d'être bien. Faire coucou au chien. Oh, il est en pleine crise énervement, le bobtail. On n'en voit pas souvent. Ah ben non, c'est découvrable. Une Méhari Azur, j'avais la même. Sept dans la 4 chevaux. Alors une jolie DS. Après, on a une 2 chevaux classique. Moi, c'est le genre de choses que
J'en ai trop vu, trop conduit. Une magnifique traction. EAET. Une EAET. Une traction EAET. Comme me dit mon ami. On va faire un tour à l'intérieur. Elle est prête pour le mariage. Encore, il reste, il faut trouver la mariée. Ouais, je vais l'appeler. Ça, vous trouverez ça, vous pouvez le magnifique 203 qu'on voit. On la voit assez souvent celle-là. Oui, mais c'est la 203 avec une grande lunette à l'arrière. Ah, une 203 me dit Jean-Pierre, grande lunette. Voilà, c'est vrai que quand on fixe ça de près, on ne sait pas trop si c'est une 203. Magnifique. Belle peinture. Belle peinture, oui. Avec un intérieur, regardez l'intérieur. C'est neuf. C'est neuf. Ça marche bien. Et ça marche bien. Donc ça, c'est une quelle année? 54, un truc comme ça, oui, à peu près. Ouais. C'est toujours sympa, ça. Une 107. Une Alpine Renault. Dans le cornet, oui. À la vitre, ils mettent pas les origines. Ah oui, oui, oui. C'est dommage. Oui. Encore une Citroën Maserati, un SM, de toute beauté. BX Sport, R5 GT Turbo. R5 GT Turbo. Blanc ou rouge, faites votre choix. Mon ami, modèle 90, il y a la vignette 90 dessus. On continue. Un cabriolet 1303. Qui était carrossé par Karmann, c'est ça?
On va aller voir la Jag. Petite Ferrari Dino. L'assortiment d'anglaise. Mais il y en a une qui n'est pas anglaise, qui est...
Eh bien, vous avez pu voir de belles photos, de belles vidéos. Vous avez vu cette magnifique Lamborghini 400. Là, il y a une très belle Rolls Cab. Et on va remonter dans la voiture, on va rentrer chez nous. On a passé un grand moment ici. Voilà, et on va assister en même temps au démarrage de la Secobra. Le monsieur est dedans. On va se rapprocher. Notre voiture. Eh ben c'est parti. À très vite. Eh bien, on va faire un petit bonus, un petit. J'espère que le film que j'ai fait vous a plu, que vous avez vu des choses magnifiques. Jean-Pierre, on a vu des choses sympas, hein, qu'est-ce que t'en penses? Très bien. Hein, quelle est la voiture que tu as préférée? La 400. Là, donc la Lamborghini. Alors, elle a la particularité, tu me disais, d'avoir un moteur avant. Oui. Ah, d'accord. Et c'était un combien? 12 cylindres, c'est quoi? 12 cylindres. Un 12 cylindres, d'accord. Il y avait une belle AC Cobra aussi qui avait l'air d'origine apparemment. Elle avait un bruit, on ne sait pas trop. Enfin, c'était quand même une belle auto avec une personne très sympathique. Donc voilà, on arrive à la maison. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. On se retrouve, je ne sais pas quand. La prochaine fois, c'est comme ça, on est sûr de ne pas se tromper de date. Hein, on se retrouve, je ne sais pas quand. Mais on se retrouve, il n'y a pas de problème. J'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que je vais faire le montage cet après-midi et je vais le mettre sur ma page YouTube. N'hésitez pas à voir ma page YouTube, il y a une soixantaine de vidéos et des choses fort sympathiques. Voilà, je vous montre le tableau de bord de la voiture. Voilà. À bientôt, merci, ciao ciao.